Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis qui me vient de la chaîne de Nanny Scrap. Voilà, Dani. Donc aujourd'hui, on est le 18 février. 18 février. Et ça fait déjà au moins peut-être 4-5 jours, je l'ai. Si c'est pas plus. Oui, oui, oui. Donc, comme vous aurez pu le voir, il y a moins de vidéos sur ma chaîne. J'espère que ça va revenir. Je sais pas ce que la prod fout, mais alors, franchement, il y a dû laisser aller. Hein. Donc, j'ouvre. Et après, je m'assois. Peut-être je serai interrompue parce que quelqu'un doit passer chez moi. Voilà, ça se trouve comme ceci. Tadam ! Ça y est. Donc, je pose le cutter. Tadam ! Ah, attendez, ça, j'espère qu'on verra pas mon adresse, mais bon. Eh ben, ça commence bien. Déjà des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Bon, je vais mettre le carton sur le côté. Parce que là, mon bureau est tout nickel. Oui, oui, oui. Parce que j'ai fait une carte, il y en avait partout. Mais alors, partout, partout, partout. Et paf. Donc, je m'installe. Hop, tourne-côtis. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Par contre, attendez. Voilà. J'ai remis mon miroir pour que je puisse avoir le retour. Voilà. Donc, elle m'a déjà mis un bloc comme ceci. Oh, moi, je les adore. En plus, avec les feuilles d'eucalyptus, j'avais fait un petit... un petit livret mini-album, si je puis dire. Et je comptais d'ailleurs le refaire sur ma chaîne, même s'il n'y a rien de compliqué. Parce que je trouvais qu'il était très très beau. Et j'adore, j'adore. Il a de magnifiques pages. Toutes fines aussi. C'est pas mal. Eh ben écoute, merci Annie. Hein, mais je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas gardé. Pourquoi... Voilà, peut-être que je ne vais pas arrêter de dire pourquoi tu ne l'as pas gardé. Et merci beaucoup, moi je les adore ces paper collection. C'est trop trop bien. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oula, eh ben elle m'en a mis des trucs. Hein. Oula là, qu'est-ce que c'est ça? Oh, regardez. On se croirait à la mer. Oh, c'est génial ça pour faire des choses sur le thème de la mer. Je sais pas ce que ça sent. Je sais pas si c'est toi qui l'as teinté. Tu me diras. On dirait du comme du cisaille. 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 Je sais plus comment ça, on se dit. Ah, c'est génial ça. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Hein. Même je suis sûre que ça peut me servir pour des miniatures. Alors je sais pas quoi précisément à l'instant T. À l'instant T. Si je parle du nez, je suis désolée, hein, c'est toujours mes quoi, je sais pas, mes allergies, je sais pas. Je sais pas si c'est des allergies, je sais rien, voilà. Eh bien, écoutez, je peux pas vous dire ce qu'il en est, hein. Peut-être c'est elle qui l'a teinté, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est fort sympathique. Ouais, 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 sinon je peux faire un chapeau avec. Bon, je vous montrerai pas ma tête si je le mets sur la tête. Merci, Annie. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a mis un genre de feutrine épaisse dans les tons bordeaux. Ah, ben ça, je vais pouvoir faire les marches du Festival de Cannes. Ouais. bon, là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Non, j'ai pas d'idée pour l'instant, mais bon, ça viendra. Hein. Alors, en tout cas, c'est de la belle qualité. Hein. Je ne sais pas ce que c'est au départ. Donc, vous voyez, c'est de la feutrine très épaisse, comme ceci. Ben, merci beaucoup. Hein. Puis, il y en a un grand morceau. Hein. Regardez. Ouh. Alors, ah, le petit mot, il est là. Avec une très jolie carte, avec un petit oiseau. À toi, petit oiseau. Alors, je suis toujours touchée, mais jamais surprise par ta gentillesse. Oh, c'est gentil, ça. Ben, moi, je pourrais dire pareil, hein. Il est sympa, ce tampon, oui. Alors, attendez, ça commence. Désolée, j'ai dû me moucher. Alors,
très jolie carte en tamponnage. Je pense qu'elle a aquarellé. Regardez, c'est beau. Oh, superbe. Très, très beau. Oula, elle m'a écrit un roman. Elle a même écrit à l'envers. Il va falloir que je tourne ma tête ou alors la carte. Ouais, la carte, ça sera peut-être mieux. Bah oui, deuxième envoi, oui, le premier, il s'est perdu, hein. Oh là là. Oui, là, j'ai bien reçu. Bah oui, moi aussi, hein, ça m'embête pour toi, effectivement, que tu n'aies pas reçu, que je n'ai pas reçu ton premier envoi. Des feuilles d'eucalyptus, waouh! Oh, j'ai hâte de voir ça. J'adore l'eucalyptus. Oh. T'en as vers chez toi des feuilles d'eucalyptus? Des trésors, ouh! Il y a des trésors, elle me dit qu'il y a des trésors, je suis trop contente. Ah oui, il y en avait dans le premier colis, oh là là. Non, ça suffit, hein, les envois. Non mais dis donc Annie, arrête, hein, moi je vais venir te botter les fesses, hein, je vais faire comme Mel, hein, tu vas voir. Merci beaucoup, merci pour ma mum aussi, avec ta très jolie carte. Il est joli ce papier vert, hein. Ouais. Très joli, j'aime beaucoup. Alors, je vais mettre ça, je vais pousser ça, je vais mettre la carte devant mes yeux déjà. Je vais mettre ça sur le côté, voilà. Là, on a plein de trucs comme ceci. Ça, c'est bien pour protéger les envois. Effectivement. Là, j'ai des découpes sur la mer, donc trop cool. Avec un joli petit sticker. Les arènes de Nîmes, ou à moins que ce soit Arles. Ah ben non, c'est Rome. C'est marqué dessus. Ah là là, je sais même pas lire, moi. T'as qu'à voir. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Bingo! Bingo, bingo! Donc de jolies découpes, coquillages, qu'elle a fait donc dans ses fonds patouilles. Oh, il est joli celui-ci. Encore un. Là, une tortue. Des coquillages, très joli. Ça doit être un die cut, je sais pas. Des étoiles. Encore les mêmes coquillages. Toujours fait dans les fonds patouilles. C'est la reine des fonds patouilles, Annie. Si vous aimez la patouille, n'hésitez pas. Puis même si vous n'aimez pas, il y a autre chose sur sa chaîne. Moi, je vous invite à aller la voir. Encore une jolie tortue. Très sympa. Et deux fonds pour faire des ATC. Des ATC. Oui, si tu prends la règle. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Voilà, j'ai déjà deux fonds pour faire des ATC. C'est peut-être pour faire des ATC que tu m'as mis tout ça en fait. Merci Annie, désolée, j'ai dû encore me moucher. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, une compote! Pâte à texture, isink 3D. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Enfin, ce qu'on peut faire. Nacré. Waouh, j'adore. Génial. Pâte texturée pour tout support. Bon, bah, faudra que j'essaye, hein. J'avoue que je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Donc, bah, si toi, Annie, tu peux me dire, ou si vous pouvez me dire en commentaire. Nacré, ça c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour les décos de Noël. Encore une jolie enveloppe. Très belle. Donc, elle a fait dans un fond patouille. Oh, j'adore ça.
Et avec un joli sticker rose là. Oh, très très beau. Oh, ce nez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, un tampon. Oh, qu'il est joli. Oh là là. Oh, j'adore. T'as trouvé ça chez Noz? Oh, la chance. Hobbycraft. Ah, bah maintenant, il est chez moi. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, pour... comment? Pour l'été, pour les... L'an dernier, j'avais fait un carnet de voyage en aquarelle. Enfin, j'ai tenté d'en faire un. Je ne l'ai pas fini. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous montre de quoi il est constitué. Enfin, il n'y a pas beaucoup de pages encore, hein, puisque je ne l'ai pas fini. Mais alors ça, pour le finir... Oh, génial. Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup. Oh, je vais le tamponner. J'ai trop envie. Bon, là, il est neuf. J'aurais peut-être dû le gommer un peu. Qu'est-ce que c'est, ça? Hop. Waouh, génial. Bon, j'aurais dû gommer un peu le tampon parce qu'il est neuf. Et puis, j'ai pas mis de tapis de souris derrière. Regardez comme elle est belle, cette découpe, j'allais dire. N'importe quoi. Ce tampon. Ah, j'adore, j'adore. Bon, je vais me nettoyer du coup. Oui, forcément. Hein. Trop bien. Merci beaucoup, Annie. Hein. Trop joli. Bon, là, je vous dis, le tamponnage, il n'est pas super bien fait, mais c'est moi. Hein. C'est pas le tampon. Hein. Parce que j'aurais dû le... Comment? Le gommer un peu comme le tampon est neuf. J'ai encore mon nez qui coule. C'est génial. Oh, c'est pas possible, ça. Merci beaucoup, Annie. Merci, merci, merci. C'est adorable. Alors, après, il y a encore tout un truc. Ah, c'est génial, ça. Je ne sais pas où c'est que tu récupères ça. Peut-être dans les colis que tu reçois. Oh là là, mais c'est quoi tout ça? Mais ça va pas, non? Mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce qui... Oh là là, mon Dieu, il y a plein de choses encore. Il y a 50 millions de trucs. Attendez, je pousse les petits trucs verts. Oh là 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 là. Regardez. Non mais regardez-moi ça. Non mais c'est un truc de fou, hein. Oh, ah bah tiens. Alors, j'ai été interrompue. Donc, j'étais en train de vous montrer... Mon Dieu, tout ce paquet de feuilles. Incroyable. Je suis en train de voir un truc. Ah oui. Et alors, ça, Annie, si cela ne te dérange pas, je l'offrirai à une de mes abonnées qui habite la région ici et qui a un ami qui fait une formation en œnologie. Et donc, si ça ne te dérange pas, je lui offrirai parce que moi, je t'avoue que je ne ferai rien du tout avec, je pense. À part si c'est un peu vintage comme ceci. Mais bon, tant qu'à faire, si ça ne te dérange pas, je vais lui offrir. Voilà, tu me diras si ça te dérange. Tu peux me le dire en privé. Hein, mais je pense que te connaissant, ça ne te dérangera pas. Je te remercie énormément. Oh, cahier de découpage. Oh là là. Oh, c'est sympa. Moi, j'aime bien les feuilles assez fines comme ça pour faire des petits... comment? Des petits livrets. Ça peut être pas mal du tout. Oh, c'est bien ça en plus. C'est très coloré pour l'été. Bon, je vais peut-être pas tout regarder là. Ouais. Ah, ceux-là, je les ai. Je les ai déjà utilisés, ceux-là. Ça me parle, ça me parle. Il y en a sur Noël. Oh là là, mais pourquoi t'as pas gardé ça? Oh là là, c'est vraiment super beau. Wow, ceux-là sur le thème du voyage, j'adore, j'adore. Oh, j'adore. Superbe, franchement, trop bien. Oh, ok,
qu'il est mignon, lui. Le petit chat, là. Oh, trop joli. Comme un grand. Là encore des... Oh, j'adore. Oh, pour faire un album pour enfants. Alors ça, c'est chouette. Hein. Regardez. Trop, trop bien. Hop, il y a ça qui s'est collé. Et ben, une petite bricole pour toi. Noël. Là, c'est l'hiver. Ça, ça me parle aussi. C'est joli, hein? Oh, incroyable. Ben, écoute, j'espère que je mettrai à l'honneur tous ces jolis papiers. Cahier de découpage. Il y en a qui se tapent la gruste, là, les petits trucs verts, et ils viennent sur mon livre. Non, mais oh. Ouais, il y a des motifs qui sont sympas. Hein. Bon, tout ne me plaît pas, je dois te l'avouer. Bah oui, il faut dire la vérité. Hein. Ça, moi, c'est pas trop mon truc. Pourtant, j'aime bien le thème de la mer, mais ça, je sais pas ce que j'en ferai. Mais alors, trop, trop joli. Regardez, c'est joli, ça. Là, sur l'été... Oh, mais tu m'en as mis un paquet, mais c'est incroyable. Oh, regardez ça. Ça, pour s'inspirer pour les carnets de voyage, justement, c'est génial. Parce que moi, j'adore faire l'aquarelle, mais je suis une quiche. Donc, tout ce qui est ombre et puis... bah, les ombres, tout ça, je suis pas très fortiche. Hein. Là, un beau vase. Eh ben, moi qui fais du tri, c'est malin, tu m'en rajoutes. Oh, j'adore, tout plein de papier coloré comme ça. Parce que moi, j'ai pas trop de couleurs chaudes pour l'été. Donc, ça peut être pas mal, en fait. Merci beaucoup. Hop. Ça aussi, c'est très joli. J'adore, j'adore. Oh là là, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Oh là, et puis alors celui-là. Je comprends pas que tu n'aies pas gardé ça. Franchement, tu dois adorer ça, Annie. Magnifique. Trop beau. Et alors lui, il est vraiment joli. Merci beaucoup. Ah, celui-là, je crois que je l'avais aussi. Non? Ça me parle. Ah, ouahou. Ah non, ça ne me parle pas. Ça me parle parce que c'est Paris, mais non, je ne l'avais pas, celui-là. Non, non. Je dois confondre avec un autre. Oh, la vache. Ah, j'adore. Pas génial, ça. Oh, puis les étiquettes en dessous, là. Je fais un bruit, c'est pas possible. Génial. Oh là là. Oh, ils sont vraiment beaux, ceux-là. Ça, c'est bien. En plus, regardez, il est grand, celui-ci. Vous faites une petite pochette dans l'album. Dans un album. C'est génial, ça. La mer. Eh bien, je crois que je vais m'amuser à découper devant la télé. Des petits trucs comme ça. Peut-être je ferai des photocopies, d'ailleurs, aussi. Ouais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Trop beau, trop beau, trop beau. Trop, trop beau. Oh non, non. Oh, puis alors cette page, comment vous dire? Trop beau. Là, on a encore des papiers qui peuvent servir pour un album enfant. Ouais, très joli.
Et carrément, ben, un magazine, hein, tant qu'à faire. Alors, je crois que c'est celui-ci dans lequel est passé. Ah, ben. Ah, ben, d'accord, tu me donnes le magazine, tu me donnes les feuilles en double, alors que ça, tu aurais pu t'en servir, toi. D'accord. C'est pas celui-ci que. Attendez, il date de quand, ça? Je cherche, je cherche. Il n'y a pas la date. Ah, 2020, ça y est, je viens de voir. Ouh là là, ouvre tes yeux, Aude. En fait, non, c'est pas celui-ci, mais Mel, elle est passée dans ce magazine vintage. Mais bon, moi, je ne l'ai pas trouvé. J'aurais bien voulu l'acheter pour avoir une trace, quoi. Et non, j'ai pas trouvé. Moi, c'est génial, ça. Ça, je l'ai vu. Le steampunk, regardez. Trop chouette. Oh, trop chouette. Je sais plus avec qui on en parlait du steampunk. Ah, bah, c'est avec Aurélie. Oui, oh, merci beaucoup, hein. Franchement, c'est vraiment très, très joli. Cahier de... C'est marrant, mais j'adore. Ça brille. Oui. C'est un petit chat ou je sais pas quoi. Non, je sais pas si c'est un chat. Un chat grenouille. Bon, attendez, je vais rassembler tout ça comme il faut parce que sinon ça va tomber. Voilà. Il y a une tâche qui s'est cornée là. Bah, merci beaucoup, Annie. Mais fallait pas m'envoyer tout ça. Mais t'es fou là. T'es fou, t'es fou, t'es fou. Bon, puis attendez, c'est pas fini, hein. Non, bah non, non. Oh là là, il y a encore plein de trucs. Bon, je vais tout sortir. Comme ça, je vais pouvoir mettre le carton à côté. Oh là là. Tout ce qu'elle m'a donné. Et là, il y a une boîte à trésors encore. Alors, attendez. Je vais faire. Alors là, j'ai du washi tape avec des petits oiseaux et des petits cadeaux. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir. Alors moi, le washi tape, c'est pareil. Hein. Je suis comme toi, je m'en sers pas énormément. Moi, je m'en sers pour fermer mes petits goodies. Il est sympa, hein. Ça fait un peu comme du vélum transparent. Très très sympa. Ben, merci beaucoup. Ben, je vais le mettre de suite avec mes washi tape les plus jolis. Hop! Ici, c'est la voilà. marque Rayer. Encore. C'est de la bonne marque. C'est de la bonne. C'est de la bonne. Alors, ensuite, ensuite, ensuite. Tic, 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 tic. Là, on a une jolie pochette avec des loups et des lions. Avec un joli washi aussi feuille. Ça, je vais le mettre dans mon calepin. Oh, ah oui. Ah oui, alors là, c'est magnifique. Hein. C'est ce que tu me disais, les feuilles d'eucalyptus. Oh là là, je ne sais pas si c'est toi qui les as faites, mais alors. Oh, c'est magnifique. J'adore, j'adore. Je crois que tu en avais. T'avais pas fait un tuto sur ta chaîne? Je me souviens plus. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Attendez, je cherche un truc pour vous les montrer un peu mieux. Hop. Oh, c'est superbe. C'est entre le doré et l'argenté. C'est de l'or blanc, en fait. Là, vous verrez bien. Ah, ça c'est génial. Ah, oh, merci beaucoup. Oh là là, c'est magnifique. Merci beaucoup, Annie. Merci, merci. Trop beau. Alors, ensuite, on a un joli paquet avec une belle serviette avec un papillon. Un joli ruban rouge.
Oui. Ah, attention, âme sensible, s'abstenir. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, je l'ai vu, sachet nose. Ah oui, c'est pour faire des nœuds. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est marrant ça. Ah d'accord, il y a toutes les petites cartes pour faire le nœud. Ah bah c'est bien. Nœud coulant. Vous voyez? C'est pas mal ça. Demi-clé à capeler. Bon alors là. Ah puis il y en a même derrière. Hein. Ah bah c'est sympa ça. Eh ben merci. Hein. En tout cas, le bleu, il est super beau. Hein. Très très beau. Je réfléchis en même temps, je regarde. Ça, c'est très sympa. Merci beaucoup, Anne. Excusez-moi, j'ai le nez encore, toujours. J'ai la tête comme un compteur. Et là, oh là là, plein de tissus. Oh, oh le truc de fou. Là, on a une jolie. Oh, jolie serviette avec des arbres, des bouleaux. Ah, oh, c'est sympa ça aussi. Hein. Ah ouais, je suis en train de penser à un truc. Je vais regarder ce que je pourrais faire avec. C'est peut-être une idée. Là, on a un joli ruban dans les tons violet, aubergine. Et là, j'ai plein de tissus. Oh là 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 là. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Des lingettes. Et voilà, des lingettes. Ah, c'est joli ces couleurs. Oh, oh là là, superbe. Superbe, superbe, superbe. Mmh, ça sent bon en plus. Mmh, ça sent bon. Là, on a petit morceau de tissu dans les tons saumon un peu. Très sympa. Là aussi, c'est pas toi qui les as fait ces tissus quand même, si. Attendez, qu'est-ce qu'elle m'a mis sur la carte? Ah non. Non, je pense qu'ils étaient comme ça. Donc là, on a un dans les tons rouges. Là, ça me rappelle quand on faisait des... avec des tissus en soie, on faisait des... comment ça s'appelle? De la teinture sur tissu. Là, dans les tons jaunes. Celui-ci dans les tons un peu verts. Encore dans les tons verts. Il est beau celui-ci. Enfin, ils sont tous beaux, hein, mais il y en a que j'affectionne plus que d'autres, forcément. Celui-ci dans les tons bleus. Ben, pourquoi tu n'as pas gardé celui-ci, toi qui adores les fonds marins? Regardez comme il est beau aussi celui-là. J'arrive plus à le plier. Hop, voilà. Encore un dans les tons jaunes. Oh, celui-ci alors. Oh, je pense qu'heureusement que Poppy n'habite pas par là parce qu'elle serait venue me chourer. Dans les tons orangés. Très vintage. Il est magnifique celui-là. Magnifique, magnifique. Et tu me diras si c'est toi qui les as fait ou pas. J'ai un doute. Il y en a certains, ça peut être sympa aussi hein, pour faire des pour les vitrines miniatures, soit pour faire genre du papier peint ou des choses comme ça, des petits meubles. Celui-ci aussi, il est très joli dans les tons noirs et bleus. Hop. Là, on a un dans les tons un peu vert, bleu, bleu vert, gris. Superbe.
Et là, dans un ton beaucoup plus gris. Et un autre dans les tons aussi gris et bleu. Avec des nuances de un peu jaune. C'est très très joli. Très joli. Regardez. Super, hein, franchement. Merci beaucoup, Annie. Oh, fallait pas me mettre tout ça quand même. Et là, on a. Alors, il y a marqué boîte à trésors. Enfin, j'espère. Oh là là. Ah oui, en effet, c'est une boîte à trésors. Hein. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a. Incroyable. Oh là là. Ah oui, ça, ces petits cadres de chez Action, j'adore. Sont trop beaux. Là, on a une breloque cœur. Là, c'est des embellissements en métal. Ouais. Et c'est très très fin, j'adore. Ensuite, on a un ressort, j'adore. Là, on a un vieux bouchon de je sais pas quoi, d'une valve. Vous voyez, j'adore, j'adore. Un petit cintre. Ah oui, c'est vraiment la boîte à trésors. Hein. Là, on a un gros strass. Là, les embellissements comme ceci de chez Action. Ah, ben c'est décollé, je pense, non? Non. Là, on a un joli cadre. Ça, c'est sympa. Hein. Encore un genre de médaillon. Vous voyez, encore des grosses traces. Regardez, on a un genre d'écrou. C'est génial, ça. Vous mettez un... Comment ? Peut-être pas un strass comme ça, mais encore que. Mais non, un morceau de rhodoïde ou de plastique bien transparent. Et vous faites un genre d'hublot. Ouais, ça peut être super sympa. Un petit ressort encore. Là, on a des chaînettes. Hop. Différentes chaînettes. Super. Super. Là, il y a un ressort, il s'est pris dans la clé. Bon, ben, j'arriverai pas à l'enlever. Là, on a une vieille clé. Ben, si tu savais, moi, j'en ai tout un stock de vieilles clés comme ça. Bon, elles sont pas ici à Dijon, elles sont chez dans la grange de mon père. Là, on a des anciennes clés. Je crois que c'était pour les... comment ? Les réveils, ça. Vous voyez ? Hop, on remontait le réveil avec ces petites clés. Sympa, j'adore. On a un petit cœur. Là, on a un genre de petit bouton. Hop, excusez-moi. Là, une vieille serrure. Oh, génial. Oh, elle est belle. Hein. Ah oui. Ah, super. Génial. Là, j'ai une petite... comment ? Cage d'oiseau. On est en bronze. Ça, c'est les anciens, comment ça s'appelle, domino, je pense, pour l'électricité. Il y a un petit cœur. Là, il y a un petit filtre de robinet. Ça, c'est génial pour les miniatures aussi. Là, on a une petite rondelle, je sais pas ce que c'est. Encore une chaînette. Ah, là, on a une map monde. Montgolfière. Enfin, une map monde, qu'est-ce que je raconte? Moi, j'ai fumé ou quoi? T'as fumé, Aude? Un petit sapin, une breloque sapin, très jolie. Une toute petite clé, elle est adorable. Là, on a une petite... petite médaille, je crois que c'est la reine Elisabeth. Un petit vélo, une petite clé. Ben, ça va rejoindre mes petites breloques. Là, on a un petit camé.
Moi, j'ai toujours celui que Mel m'avait offert sur le côté, là. Une petite croix. Ça, je vais l'offrir à ma maman. Trop belle. Je vais me la mettre de côté. Hop. Ensuite, Lollipop. Là, on est une petite... comment ? Pendule ancienne en breloque. Enfin, en grosse breloque. Hein. Là, une petite croix. Une petite croix. Une petite encre. Là, on a encore un strass. Une toute petite breloque pendule. Fait penser à Alice au Pays des Merveilles, ça. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Des ressorts. Un petit capuchon. Ça fait penser aux valves de vélo, ça. Un petit grillage comme ça en plastique. Donc ça, pour les miniatures, c'est génial. Ouais. Un dé. Moi, j'adore les dés. Donc, lui, il va aller rejoindre ma collègue. De la ficelle un peu, comment dire, on dirait un peu effet cuir. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Et là, il y a quelque chose encore. Mais tu m'as trop gâtée, Annie. Oh là là. Oh, j'adore. Oh, je t'en avais envoyé des petites ampoules, je crois, aussi. Ah, elle est géniale, celle-là, la carrée. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, j'en avais récupéré plein, moi, chez mon père. Ah, puis des petites fioles. Celles-ci, elles sont vraiment toutes petites. Hein. Elles font 3 cm. Trop bien. J'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Et alors, les petites ampoules comme ceci. Oh, génial. Oh, celle-ci, elle est trop belle. Carrée, là, comme ça. J'adore. Oh. Eh ben, je ne sais pas quoi te dire, Annie. Hein. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Ce que tu m'as envoyé, mais c'est un truc de fou, un truc de fou. Mes strass, je trouve une utilisation. Ouais, dans les miniatures, ça peut être génial. Hein. Franchement, gros comme ça. Parce que j'en avais des strass 18 carats. Je les ai envoyés pour Elma, la petite nièce à Mélanie, mais elles étaient tout petits, donc je ne m'en serais pas servie. Ça me faisait plaisir de lui en offrir aussi. Voilà, donc je fais doucement pour ne pas faire trop de bruit. Parce qu'après, quand je fais le montage, ça me pète les oreilles. Donc, merci beaucoup. Oh, elle est chouette, ta boîte à trésors, j'adore. Enfin, ta boîte à trésors. Ma boîte à trésors, maintenant. C'est un peu gênant tout ça quand même. Hein. Là, il y a la petite croix, mais je vais la laisser de côté. Et alors, quelque chose que j'allais oublier de vous montrer, j'allais vous dire bon, merci beaucoup, et j'allais finaliser la vidéo, mais non, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle m'a aussi envoyé une encre en spray couleur cassis prête à l'emploi de chez Aladdin. Regardez. Non, mais... Mais pourquoi tu l'as pas... Que tu l'as pas gardé pour toi, tu t'en sers de ça, je pense. Je me essuie les mains par contre. Hop, trop bien. Séchage rapide. Enfin, j'essaye. Ouais. Eh bien, je sais pas quoi dire à part dire merci beaucoup, Annie. Franchement, t'es vraiment trop gentil. Je te remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ton envoi. Désolée de l'avoir ouvert assez tard. Mais bon. Maintenant, c'est fait. Eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye.